Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler des 10 méga-projets de l'Algérie en 2024. L'Algérie est un pays d'Afrique du Nord qui dispose de vastes ressources naturelles, notamment le pétrole et le gaz. Mais le pays ne se contente pas d'exploiter ses richesses, il investit aussi massivement dans le développement de son infrastructure, de son industrie et de son secteur social. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les 10 projets les plus impressionnants qui sont en cours ou prévus en Algérie pour l'année 2024. Ces projets vont changer le visage du pays et lui permettre de renforcer sa position régionale et internationale. Alors, sans plus attendre, commençons le compte à rebours avec le numéro 10. Et au fait, si c'est la première fois que tu vois notre chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Numéro 10, le projet intégré des phosphates. L'Algérie possède la troisième réserve mondiale de phosphates, un minerai utilisé pour la fabrication d'engrais. Pour valoriser cette ressource, le pays a lancé en 2018 un projet intégré qui vise à produire 10 millions de tonnes de phosphates par an, ainsi que 4 millions de tonnes d'ammoniac et 4 millions de tonnes d'urée. Le projet comprend l'exploitation de la mine de Bled El Adba, la construction d'une usine de transformation à Adjer Essou, la réalisation d'un pipeline de 425 km pour acheminer le phosphate vers la zone industrielle d'Arzew, et la construction de deux complexes de production d'ammoniac et d'urée à Arzew et Skikda. Le coût total du projet est estimé à 6 milliards de dollars et il devrait créer 3000 emplois directs et 15000 emplois indirects. Le projet intégré des phosphates permettra à l'Algérie de devenir un acteur majeur sur le marché mondial des engrais et de diversifier son économie. Numéro 9, le port en eau profonde d'El Andania. L'Algérie a besoin d'un port capable d'accueillir les navires de grande taille et de répondre à la croissance du trafic maritime. C'est pourquoi le pays a décidé de construire un port en eau profonde à El Andania, à 80 km à l'ouest d'Alger. Le port s'étendra sur une superficie de 2000 hectares et disposera de 23 quais pouvant accueillir jusqu'à 6,5 millions de conteneurs par an. Le port sera relié par des autoroutes et des voies ferrées aux principales villes du pays, ainsi qu'aux pays voisins comme le Maroc, la Tunisie et la Libye. Le port en eau profonde d'El Andania sera le plus grand port d'Afrique du Nord et l'un des plus grands du continent africain. Il permettra à l'Algérie de renforcer sa compétitivité logistique et de devenir un hub régional pour le commerce et le transport. Le coût du projet est estimé à 3,3 milliards de dollars et il devrait être achevé en 2025. Numéro 8, le projet de Garadje Bilay. L'Algérie dispose de la cinquième réserve mondiale de fer, avec 2,5 milliards de tonnes de minerais. Pour exploiter cette richesse, le pays a lancé le projet de Garadje Bilay, qui consiste à extraire et à transformer le fer dans la région de Tindouf, à l'extrême sud-ouest du pays. Le projet comprend l'exploitation de la mine de Garadje Bilay, la construction d'une usine sidérurgique d'une capacité de 2 millions de tonnes d'acier par an, la réalisation d'un chemin de fer de 750 km pour transporter le minerai vers le port de Bénissaf, et la construction d'un port minéralier à Bénissaf. Le coût du projet est estimé à 15 milliards de dollars et il devrait créer 10 000 emplois directs et 25 000 emplois indirects. Le projet de Garadje Bilay permettra à l'Algérie de réduire sa dépendance aux importations d'acier et de développer son industrie sidérurgique. Il contribuera également à la réalisation de méga-projets, comme le réseau ferroviaire, la fabrication de conteneurs, des gazoducs et pipelines. Numéro 7, le projet de la nouvelle ville de Sidi Abdellah. L'Algérie fait face à une forte croissance démographique et à une urbanisation accélérée. Pour faire face à ces défis, le pays a lancé le projet de la nouvelle ville de Sidi Abdellah, située à 25 km au sud-ouest d'Alger. La nouvelle ville s'étendra sur une superficie de 2500 hectares et accueillera 400 000 habitants. Elle sera dotée de toutes les infrastructures nécessaires, comme des logements, des écoles, des hôpitaux, des mosquées, des centres commerciaux, des espaces verts, des équipements sportifs et culturels. La nouvelle ville de Sidi Abdellah sera également un pôle d'innovation et de développement économique, avec la création d'une zone industrielle, d'un parc technologique, d'un centre de recherche et d'un campus universitaire. Le coût du projet est estimé à 10 milliards de dollars et il devrait être achevé en 2024. Numéro 6, le projet de la Grande Mosquée d'Alger.
L'Algérie est un pays à majorité musulmane, qui accorde une grande importance à la religion et à la culture. Pour exprimer cette identité, le pays a lancé le projet de la Grande Mosquée d'Alger, qui sera la troisième plus grande mosquée du monde, après celle de la Mecque et de Médine. La Grande Mosquée d'Alger s'étendra sur une superficie de 27 hectares et pourra accueillir jusqu'à 120 000 fidèles. Elle comprendra une salle de prière, un minaret de 265 mètres de haut, une bibliothèque, un musée, un centre culturel, une école coranique, un centre de recherche et un parc. La Grande Mosquée d'Alger sera un symbole de la foi et de la civilisation islamique, ainsi qu'un lieu de culte, d'éducation et de rayonnement culturel. Le coût du projet est estimé à 1,5 milliard de dollars et il devrait être inauguré en 2024. Numéro 5, le projet de la centrale nucléaire. L'Algérie est un pays qui dispose de vastes ressources énergétiques, notamment le pétrole et le gaz. Mais le pays veut aussi diversifier ses sources d'énergie et se tourner vers le nucléaire. Pour cela, le pays a lancé le projet de la centrale nucléaire, qui sera la première du genre en Algérie. La centrale nucléaire sera située à El Djamila, à 50 km à l'est d'Alger. Elle aura une capacité de 1200 MW et utilisera la technologie des réacteurs à eau pressurisée. La centrale nucléaire permettra à l'Algérie de réduire sa dépendance aux énergies fossiles, de répondre à la demande croissante en électricité et de contribuer à la lutte contre le changement climatique. Le coût du projet est estimé à 7 milliards de dollars et il devrait être opérationnel en 2024. Numéro 4, le projet de la ligne ferroviaire à grande vitesse. L'Algérie est un pays qui s'étend sur plus de 2 millions de kilomètres carrés, ce qui pose des défis en matière de transport et de mobilité. Pour y remédier, le pays a lancé le projet de la ligne ferroviaire à grande vitesse, qui reliera les principales villes du pays à une vitesse de 220 km par heure. La ligne ferroviaire à grande vitesse comprendra trois tronçons. Le premier, de 420 km, reliera Alger à Oran. Le deuxième, de 300 km, reliera Alger à Constantine. Le troisième, de 200 km, reliera Constantine à Annaba. La ligne ferroviaire à grande vitesse permettra à l'Algérie de réduire les distances et les temps de trajet, de favoriser le développement régional et de stimuler le tourisme. Le coût du projet est estimé à 20 milliards de dollars et il devrait être achevé en 2024. Numéro 3, le projet de la nouvelle ville de Bouinan. L'Algérie fait face à une forte demande en logement, notamment dans la région d'Alger, qui concentre plus de 10 millions d'habitants. Pour répondre à ce besoin, le pays a lancé le projet de la nouvelle ville de Bouinan, située à 35 km au sud d'Alger. La nouvelle ville s'étendra sur une superficie de 1500 hectares et accueillera 250 000 habitants. Elle sera dotée de toutes les infrastructures nécessaires. La nouvelle ville de Bouinan sera également un pôle d'excellence et de modernité, avec la création d'une zone industrielle, d'un parc technologique, d'un centre de recherche et d'un campus universitaire. Le coût du projet est estimé à 5 milliards de dollars et il devrait être achevé en 2024. Numéro 2, le projet de la nouvelle ville de Hassim Essaoud. L'Algérie est un pays qui tire une grande partie de ses revenus du secteur pétrolier et gazier. Pour soutenir cette activité, le pays a lancé le projet de la nouvelle ville de Hassim Essaoud, située à 85 km au nord-est du plus grand gisement pétrolier du pays. La nouvelle ville s'étendra sur une superficie de 6000 hectares et accueillera 80 000 habitants. Elle sera dotée de toutes les infrastructures nécessaires. La nouvelle ville de Hassim Essaoud sera également un pôle de développement économique, avec la création d'une zone industrielle, d'un parc technologique, d'un centre de recherche et d'un campus universitaire. Le coût du projet est estimé à 8 milliards de dollars et il devrait être achevé en 2024. Numéro 1. Le projet de la nouvelle capitale administrative. L'Algérie est un pays qui connaît une forte croissance démographique et une urbanisation accélérée. Pour faire face à ces défis, le pays a lancé le projet de la nouvelle capitale administrative, qui sera située à 50 km à l'est d'Alger. La nouvelle capitale administrative s'étendra sur une superficie de 10 000 hectares et accueillera 2 millions d'habitants. Elle sera dotée de toutes les infrastructures nécessaires, comme des logements, des écoles, des hôpitaux, des mosquées, des centres commerciaux, des espaces verts, des équipements sportifs et culturels.
La nouvelle capitale administrative sera également le siège des institutions politiques et administratives du pays, comme le palais présidentiel, le parlement, les ministères, les ambassades, les organismes publics et les médias. La nouvelle capitale administrative sera un symbole de la souveraineté et de la modernité de l'Algérie, ainsi qu'un lieu de gouvernance, de décision et de rayonnement. Le coût du projet est estimé à 25 milliards de dollars et il devrait être achevé en 2024. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur les 10 méga-projets de l'Algérie en 2024. Nous espérons que vous avez trouvé ces projets aussi passionnants que nous. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos proches et à rester connecté pour plus d'informations sur les innombrables projets mis en place par les présidents africains. Merci encore et à bientôt pour de nouvelles découvertes.